Bonsoir à tous. Donc, comme promis, nouvelle petite vidéo ce soir. Il est plus de 8h30, mais c'est pas grave. Hein. Donc, j'ai choisi de faire ça aujourd'hui. Voilà. Nous avons joué. Enfin, Cécile, elle est là aussi, hein, elle va me donner un petit coup de main. Hein. Voilà. Donc, c'est des petits papillons florissants qui sont assez pas mal. Donc, derrière, vous avez tout ça, les petites boîtes, machin, le petit décor et tout. Voilà. Donc moi j'ai commencé donc moi j'ai déjà commencé à tout dépiauter. Donc voilà. Attendez, on va mettre correctement. Hop. Voilà, Tout je vois. défaire. À tout défaire, ça c'est pas grave. Hop. Hop, voilà. Je mets correctement. Voilà. J'espère que vous voyez. Donc, nous avons cette petite façade là. Ensuite, nous avons les quatre parties, 1, 2, 3 et 4. Nous avons les petits décors, 1, 2 et le troisième. Donc, apparemment, je croyais qu'il y en avait un quatrième aussi, mais apparemment, non, le quatrième, il va se mettre en dessous. Donc, vu que c'est le dessous. Donc automatiquement, C'est pas la peine. ça sert à rien de le voir. Ensuite, nous avons une feuille de calque. Voilà, avec ceci. Nous avons des petites papillons que j'ai déjà commencé à enlever parce que comme c'est quand même assez long à dépiauter les trucs. Donc voilà, j'ai déjà commencé. Comme ça perd déjà moins de temps. Voilà. J'ai oublié ça aussi. Donc, Cécile, elle a commencé à le peindre. Voilà, comme ceci, tout autour. Oui, mais bon, pourquoi? Voilà. Et après, nous avons un autre petit décor qui va se mettre par-dessus ça. Voilà. Il y a ça. Ensuite, pas oublier le petit fil, Fumière. la petite LED avec la petite pile. Donc, j'ai mis des Ah, piles. je pensais. Donc, voilà. Qui s'allume, donc j'ai pu avoir des bonnes petites piles qui marchent au moins. Voilà, et ça. Et nous avons des petits trucs comme ça, autocollants. C'est des mousses 3D. Voilà, on appelle ça, comme Cécile l'a dit, des mousses 3D. Mais moi, j'ignorais que ça existait, quoi. Enfin, qu'il y en avait. Donc, je pense que quand j'y retournerai à Action, je pense que je vais en reprendre. Racheter. Donc après, bah, tout ça, c'est les petits décors. Hein. Les petits décors en plus. Hein. Vous avez un papillon. Enfin, vous avez de tout. Hein. Donc voilà, j'ai tout mis de côté, j'ai tout défait. Donc voilà, donc on va commencer. Parce que pendant ce temps-là, le truc est tôt. Donc, si ma mémoire est bonne, comment j'ai vu sur le petit papier, il est Faire où? quoi? Voilà. Nous avons ça aussi. Donc, je me suis grosso modo aidé sur ça. Donc, c'est pas facile hein, parce que c'est la première fois que je le fais. Donc, allez, c'est parti. On va faire ça bien. Vite et bien. Bon, je crois que c'est comme ça. Donc, après, est-ce qu'il faut coller? Je sais pas du tout. Non, on colle pas. Je peux pas vous dire. Voilà. Ça, on met ça comme ça. En espérant que je me suis pas trompé de côté. Hop, ça y est, ça commence à s'enlever. Voilà. Toc. Ensuite, nous allons mettre la petite loupiote dedans. Donc, en espérant que la place. En bas le truc. Oui, mais je crois. Avec le fil. Oh là là. Ça commence. Comment ces bêtises? Il Des bêtises en espérant qu'il n'est pas soit cassé. pas cassé. Eh ben il est cassé. Sérieux? En tout cas, on s'en fout, la lumière la tient. Bah ouais, mais. Bah, c'est de ma faute, hein. Voilà. Voilà. Donc, on va mettre, donne-moi du scotch. Fessé, oui. Voilà. Tu verras s'il colle parce que.
Hop, hop, hop. Voilà. Je l'ai scotché, comme ça moi, ça bougera plus. Une fessée. Bah, c'est ça qu'on n'a pas trop, on a pas trop l'habitude de ces machins-là. Tu passes ton fils sur le côté là. Voilà. Bon, enfin, moi je fais comme ça. Je pense que c'est comme ça. Après. Attends, le fil, il faut que tu le mettes. Voilà. Je voudrais pas trop. Alors, si on allume, comment ça fait? Ça fait quoi? Ah, j'ai oublié une petite lumière. Bah, c'est ce que je disais. Voilà, donc un peu plus. Tire un peu, voilà. Ça fait une lumière là? Normalement, oui. Oui, ok. Parce que vaut mieux que tu passes voilà, là. Voilà. Non, t'as enfermé une lumière. Ah, décidément! Cacahuète! Pirouette, cacahuète. Scotch. Assistante. Assistante maternelle. Non, assistante tout court. Mais c'est pareil. Scotch. Tout tourne. Bah, merci, je sais. Je sais, je suis pas intelligent. Mais on peut se faire le milieu. Comme ça? Non, elle met qu'un morceau de scotch et après elle tourne, c'est tout. Après, comme demain du scotch. Non, il faut que tu vois ce que ça donne une lumière après. Bah, le mieux c'est de l'allumer. Bah oui, c'est ce que j'aurais fait. Bah, voilà. Et bah ça fait mimi. C'est bien ce que je dis. Voilà. Hop. Bon, moi je fais comme ça, après, du scotch. Donc hop, scotch, hop, ouais, elles sont tous mises. Voilà, je sais pas si vous voyez, voilà, ah, voilà. Bon. Moi je fais comme ça, les donc, lumières sont mises, les lumières sont mises. Ensuite je vais mettre ça en priorité en espérant de pas me tromper de le chemin blic. Voilà. En tout cas, il y en a qui est mis. Le deuxième est mis. Le troisième est mis. Le quatrième est mis. Voilà. Hop. Donc, normalement, tout est mis. Voilà. Donc ensuite, on va coller, en faisant attention, les rebords. On va coller les petits rebords, comme ceci. Attention, hein, t'as des grands et des petits. Ouais, c'est bon. Voilà. Hop. Avec de la cocolle. Donc, alors j'espère de pas trop en mettre. Voilà. Ouh. Pas trop l'habitude. N'appuie pas, elle est toute seule. Non, mais je voudrais pas que ça se décolle aussi, donc voilà. Donc normalement ça devra suffire. Oh, par contre, ça sent fort. Hein. Waouh! La vache! Ouais. Hop, voilà. Ça, c'est fait. Voilà. Ensuite, le deuxième. Bah, vas-y, aide-moi. Attends. Tu te trompes pas, hein? Ça, c'est le haut, là. Et là. Après, le bas, tu fais pas. Non, c'est là, ce côté-là, je fais pas. Non. Donc, ça. Ah non, même pas. Ça, c'est ça. Mais si, j'ai tourné comme ça. Mais non, mais regarde, il y a des rebords, là, pour mettre la feuille, regarde. C'est fait exprès. Bah oui, tu vas là et là, maintenant. Les deux grands, ça c'est normal, c'est bon. Ah oui, d'accord, ok. Autant pour moi. Donc voilà, on va mettre correctement. Voilà, hop, on va pas trop appuyer parce que j'ai pas envie que ça se casse.
Ah, voilà ce qu'a la Yéponine. Dada. Allez, ça après. Reste-t-il loupir? Ya. Voilà. On met ça. De la coco. Du lait qui coule. Après, je vous montrerai une autre créa que j'ai fait aussi en même temps. Entre-temps, Non. que j'ai pas fini. Donc j'espère que vous voyez là. Oh, attendez. Hop, voilà, un petit peu mieux. Là. Voilà. Donc voilà. Hop. Là, c'est ma dernière. Bon, tu vas coller, oui. Normalement, une fois que la colle est sèche, hein, ça devrait coller. Hein, normalement. Non, ça bouge plus là, tu les touches plus. Donc voilà, hop, voilà, ça donne ça sur les côtés. Toc toc. Voilà. Ensuite, bon, ça, on met ça de côté. Non. Si, pour l'instant, on met ça de côté. Laisse-moi faire. Donc, la feuille de calque, les petites papillonnes. Donc, on va faire. C'est ça, hein? Là. Oui, mais il faut que je colle la feuille. Ouais, je colle ça par-dessus. Je mets de la colle autour et après je mets colle de ça. Ok. Donc, on va faire comme ça. Alors, par contre, j'ai fait des papillons en style de relief. Attends, je sais pas si je fais une connerie. Parce qu'après ça va démarrer sur tes papillons. Bah oui, c'est pour ça. Voilà. Ouais, mais pour que ça soit bien collé. Ensuite, voilà. Donc ouais, le truc là, vous vous rappelez, c'est le truc que j'ai utilisé pour que j'ai trouvé au machin là, Aux encombrants. aux encombrants. Donc. Ça, les papillons, je les ressors un peu comme si que les papillons En 3D, en relief. ils vont s'envoler. En relief. Enfin, moi je les enlève pas, hein. Normalement ça doit être comme ça, hein. Oui, parce qu'ils sont en relief sur la boîte, ils sont pas enlevés. Mais en Donc après peut-être les gens s'ils les enlèvent, après chacun fait à sa non, on voit façon, bien hein. qu'ils sont en relief. On le voit bien. Chacun fait à sa façon. Moi Mais je après, il y en préfère. a même qui les colorent. Moi je fais comme ça. Ah Il y en a qui les maintenant. colorent en dessous, tu sais. Ah, color, comment ça? Oui, regarde. Ouais. C'est joli aussi colorier. Ah, le colorier en dessous? Ah, Oui, les c'est-à-dire coloriers là? que voilà, quand tu vas voir le papillon allumé, bah, en fin de compte, il y a la lumière, la couleur que tu auras fait de la truc, c'est-à-dire qu'ils font le contour seulement et colorent comme ça. Ah, le contour. Voilà, Ah, la d'accord, couleur elle est en dessous. ok. Regarde, on voit bien. Ouais. Là. Ouais, mais ça, bon, ça c'est des professionnels aussi. Moi, je ne suis point professionnel. Donc voilà. Ça donne ça. Donc bien collé. Voilà. Donc, on revient sur la petite bobouette. T'es dans le bon sens? Euh, Vas-y. oui, oui. Donc, on fout de la colle. Pas trop. On fout de la colle Là, ça là. va faire trop de colle. Ouais, mais il faut que ça soit bien collé parce que sinon. Donc, n'aurais pas foutu de la colle sur les machins.
Bah oui, je le disais aussi. Hop, je la colle là, comme ça, ça la colle en même temps. Voilà. Donc comme je vous dis, hein, c'est mon premier tuto que je fais. Hein. Donc j'espère qu'il va être réussi. Donc la feuille, hop. On la colle. Voilà. 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 Donc ensuite, le rebord. Le petit au rebord. Donc on va foutre un petit peu de Non, elle est bien sur le rebord, elle, je crois. Ouais, mais toi, tu préfères le laisser entier? Tu veux qu'on aille après, le machin, moi, je sais pas, moi, c'est... Fais voir avec le tout entier comment ça donne dessus. Donc entier, ça donne ça. Moi, je trouve que ça fait bien avec tout entier. Bah voilà, donc on va laisser entier, alors. Ça fait comme une sorte de boîte en... Donc la patronne, elle a parlé. Donc voilà, on fait de la colle là. On fout de la colle là. Voilà, on fout de la colle là. Voilà. Donc, voilà, on va essayer de machiner au niveau des trucs. Ah, des nuages. Ouais, au niveau des nuages. Pardon, c'est bon. On va faire comme ça. Passer après pour bien. Voilà. Ouh, toi, t'as mis trop de colle. Ouais. Donc, hein, faites pas comme moi. Hein. Faites attention à pas mettre trop de colle. Tu me colles les machins sur les bras. Ah, j'ai des papiers sur les bras. Voilà, parce que après, vous voyez, ça fait dégueu. Oh là là. Voilà. Parce que, soit c'est de la colle blanche, donc ça ne se verra pas. Hop. De toute façon, ça va coller. Après, une fois collé, hein, ça va... Il y a un filament. Non, elle est bizarre, ça allait bien cette colle là, franchement, mais. C'est normal, hein. Quand c'est le premier, on fait toujours des conneries. Donc, hop, on va remettre ça comme ça correctement. Voilà. Bon, j'espère que ça vous plaît pour l'instant. Hein. Je vous entends pas. Oui, ça nous plaît. Non, ça nous plaît pas. Oui, si. Non. Voilà. Donc après, et ben après c'est les petits décos. On va attaquer les petits décos. Hein, c'est bon, patronne. On enlève la colle. Non mais c'est moi. Laisse tomber parce que avec les décos ça va. Ah bah oui. C'est vrai. Bah oui. Donc les petits décos. Non, attends. Ah si, c'est ça, c'est la bouteille oui, d'abord. Et tu mets d'abord le... Attends, je peux voir la boîte en fait. Bah, viens ici là. Normalement, c'est ça, avec la boîte. Tu mets d'abord. Mais non, c'est ça d'abord. Non, attends. Par contre, on n'appuie pas trop. Hein. Voilà. Mon petit diamant, il est... Le petit diamant, il est là. Hop, tiens, il est là. T'inquiète pas, c'est bon. Après, t'es pas obligé de faire comme dans la boîte. Comme il y a dans la boîte. Je fais ce que je veux. Même tu fais à ta façon, mais ça sert à rien de... Ah, d'accord, tu veux faire comme ça, ok. Ok, j'avais pas compris. Hop, bah tiens, je te laisse finir.
Il y en a d'autres ou pas? Ah, du coup, c'est la patronne qui fait. Hein. Pardon, évite de faire un trou à l'intérieur. Hein. Bah oui, parce que ça serait dommage. Il est où l'autre? Bah, il est là. Ah, il a créé un truc là. Bah oui. Hein, je l'avais dit. Eh ben attends, essaye de me trouver une autre bouteille de parfum. Bah, sur l'autre. Il est où l'autre? Bah il y a celle-là. Il y a celle-là. Ou la ronde. Il y a celle-là ou celle-là. Mais je trouve la ronde serait plus jolie. Donne la ronde alors. Il n'y a pas un petit diamant à mettre derrière? Un petit diamant, non. Mais si, il en manque là. J'en avais des faits. Attends. Hop. Attends, là. Où les petits michmibliques là? Ils sont là. Oh. Ils sont là, les diamants. Hop. Donc moi, j'utilise ça pour les coller en fin de compte. Voilà. Hop. Tiens, tu mets là-dessus. Mon petit truc. Ça. Ah, qu'on n'a pas d'ongle, ça va être galère. On l'a déjà un. Ah, c'est des diamants, ça? Non. Non, hop. J'en mets combien, un ou deux? C'est des pierres de diamants. Tu veux j'en mets deux? Oui. Là, en voilà un. En voilà deux. Bah, tu enlèves les petits trucs par-dessus, là. Non, enlève le plastique est au-dessus. Ah, oh là là. Je dirais pas tes blondes, parce qu'après on va me dire « Mais Guigui, qu'est-ce que t'as contre les blondes ?» Donc, je ne dirai point. Hop. Tu l'as enlevé là ? On l'a un. Oui, sur celui-là, je l'ai enlevé. Hop, et voilà. Ça, on met ça de côté. Allez, je te laisse faire. Voilà. T'as enlevé les trucs dessus? Oui. Moi, ah bah, enlever truc dessus. Voilà. J'essaie de pas trop appuyer, parce que j'ai peur que ça se casse. Le truc, il est au milieu. Hein. J'essaie de faire pareil. Voilà. Hop. Et voilà tout ce que ça donne. Et voilà, messieurs, dames. Et voilà tout ce que ça donne. Voilà. La petite boîte, elle est finie. Attention, on allume. Éteins la lumière pour voir. On va éteindre la lumière. Attention. Et voilà. Oh, c'est joli. Ah, franchement, ça donne super bien. Et voilà, notre déco tuto. Bon, apparemment, ça s'appelle un tuto aussi. Voilà. Pour ça, ça fait des papillons un peu en relief. C'est pour ça, moi, je les ai pas enlevés carrément. J'ai préféré les laisser. Ah, oh, puis de plus près, c'est encore plus joli. Hein. Ouais, en plus ça, j'ai bien mis les... Enfin, les loupiottes, hein, le fil. J'ai bien fait comme ça. Enfin, après, je sais pas si c'est comme ça, mais en tout cas, voilà, moi, j'ai eu l'idée de faire comme ça. Hein. Après, comme je vous dis, hein, chacun a sa façon de faire. Hein, voilà. On n'est pas... voilà. Petite papillonne. Voilà. Petit papillon là. Petit papillon là. Petite bouteille de parfum là. Petite bouteille de parfum là. Et voilà. Voilà ce que ça donne en plein. Dans la nuit. Alors. Hop, on va éteindre parce que pour éviter de pas gaspiller des pupilles. Ah, ça me gratte le nénet.
Donc bah, voilà. Hop là. Oh là, on est traviolé. Voilà. Bah, j'espère que ce petit tuto créa vous a plu. Donc, comme je vous dis, hein, nous, c'est notre toute première. Hein, vous l'avez dit déjà la dernière fois. Et oui, vous avez vu, hein. C'est madame qui m'a fait et moi je me suis rasé, mais bon, entre-temps, T'es passé à la tondeuse. en 3 jours, hein, vous voyez, ça pousse déjà très très vite, c'est incroyable. T'as quelque chose à dire? Non, c'était Non? notre première créa Voilà. à faire qu'on a fait tous les deux. Mais la prochaine, ce sera moi qui ferai tout seul, toute seule. Voilà, alors je vais là, je Et je vais. mettrai, on mettra sur ma chaîne. Voilà. Et il mettra aussi sur sa chaîne éventuellement. Mais voilà, ce sera comme ce que je ferai toute seule, ça sera sur ma chaîne. Voilà, ça sera. Les créas comme ça, alors il y aura aussi des mandalas que je vais commencer à colorier et je vous les montrerai. Oh! On a oublié un papillon? Bah, tu me mets là. Non. Bah, tu me tues. Nous avons retrouvé un papillon, il était collé en dessous de mon coude. Il voulait pas se mettre celui-là. Donc voilà. Donc voilà, Donc du coup, on a rajouté le papillon on a qui nous rajouté manquait. un petit papillon au milieu. Voilà. Donc les autres décos, je vais les garder pour moi. Ça peut me servir pour d'autres créas. Donc les mandalas et ce genre de trucs-là, ce sera moi qui ferai sur ma chaîne, puisque maintenant on a fait à deux, donc maintenant je sais comment ça se passe. Et Guillaume, il fera d'autres créas de ce qu'il a envie de faire. Voilà. Donc là, je vais vite fait avant qu'il y ait trop de trucs pour cela. Alors ça a coupé parce que soi-disant que je Oui, dégénais. vous voyez comme un gêne. Je gênais. Alors Voilà. ça a coupé. Donc moi, le temps que Cécile faisait sa petite créa, après je l'ai aidé à la finale. Donc moi, j'ai fait ça. Donc je rebaisse le bordel. Voilà, moi j'ai fait ça. C'est moi qui l'ai fait tout seul. Donc c'est le fameux petit cadre Bah, tu devrais faire photo. voir sur la porte, Hop, la voilà. boîte, ce que c'est exactement. Voilà, c'est ça. Donc je vais vous Donc, montrer la boîte. Elle est pas loin. Voilà, en fin de compte, c'est ça. Voilà. Je sais pas si je l'ai bien mis. Non, je l'ai mis à l'envers. Désolé. Voilà, en fin de compte, c'est ça. Il y a ça. Et derrière, ça se passe comme ça. Donc après, bon, moi, j'ai pas mis les. J'ai pas mis ça. Hein. Parce que franchement, c'est vraiment de la merde. Entre guillemets, hein, voilà, c'est de la merde, comment je peux te dire. J'ai foutu de la colle dessus. Et en fin de compte, en tapotant, et ben comme c'est du feu tellement légère, plastifié, c'est pas quoi là, et ben ça me l'a carrément. Enfin, le produit de la colle, ça a bouffé le papier et ça m'a foutu vraiment du caca nerveux, quoi. Enfin, c'est vraiment pas bien. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis ça. Donc moi du coup, je n'ai point fini mon décor. C'est du fait que j'ai donné un coup de main à Cécile. Donc moi je vais finir vite fait, bien fait, mon petit cadre. Donc on va mettre un comme ça. Un comme ça. Donc moi j'ai fait à ma façon, hein, j'ai pas fait comme eux. Hein. Après chacun a sa façon de faire. Hein, comme je vous l'ai déjà dit. Voilà, un petit truc, un petit schmilblick comme ça. Voilà. Hop. Un petit schmilblick comme ça. Par contre, j'ai mis de la colle un peu partout et je l'ai babillonné de paillettes. Voilà, tout simplement. C'est que de la paillette. Voilà, c'est que des paillettes. C'est Voilà. Versailles ici. Oh, comme dans la pub. C'est Versailles, c'est pas Versailles ici. Comment il s'appelle le fils du monsieur là? Sais plus. Oh, peu importe. Hein. Donc voilà, ça c'est ma deuxième petite créa. Enfin, à moi que moi j'ai fait hein, entre-temps. Hein. Donc le petit cœur. Hein, le petit cœur. Je sais pas où mettre les petits cœurs. Parce que j'ai peur si j'y mets là-dessus que ça colle pas. Donc avant que j'en mette un là. Voilà. Parce qu'en fin de compte, après, il y a ça. Ces genres de petits boutons. Donc,
Après les boutons, je sais pas vraiment où je vais les mettre, c'est un peu chiant. Déjà, je mets les petits cœurs. Vous savez, les petits cœurs dans les presse Prageda. Ouh, ça fait un petit cœur, cocha. Et oui, je sais, c'est nul. Mais bon, profitez-en que je sois de bonne humeur pour faire ça. Donc ça, à mon avis, ça doit se coller. Donc on va mettre de la cocotte. Voilà. Je vais mettre un comme ça. Voilà. En tout cas, il colle bien le schmilblick là. Hein. Punaise, c'est la bonne colle. Hein. Voilà. Je vais faire un comme ça. Toc. Voilà. Bon, j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Je ne voudrais pas qu'elle soit trop longue. Je vais peut-être mettre un comme ça. Voilà. Un bouton là. Et un bouton là, voilà. Voilà, ma petite déco est terminée. Voilà, hop. On va remonter le schmilblick. Voilà. Coucou, mort, voilà. Voilà, donc, voilà, je viens de finir. J'ai mis les petits boutons, les petits. Le genre de petits diamants, hein, voilà. Vous voyez, ça brillote. Voilà. Voilà ce que ça fait. Voilà, mettez un peu plus loin. Voilà, ça donne ça. Voilà. Bon, c'est pas tiré, mais bon, c'est pas mal. Vous voyez, avec les petits avec les paillettes, ça donne un petit jean. Voilà. Voilà, ça fait ça. Donc après, par la suite, bah, je mettrai les photos. Et quand je mettrai les photos, bah, je vous remontrerai. C'est des photos, je sais pas qu'est-ce que je vais mettre. En fin de compte. Soit je vais faire un cadre spécial, peut-être un cadre spécial Disney, je sais pas, je vais voir. Comme je dis, je vais faire mon petit atelier, je vais peut-être faire un truc de Disney, rien que pour moi. Et je reprendrai un deuxième, parce qu'apparemment il y en a deux, trois sortes de ça. Donc je reprendrai un autre et je le referai aussi. Et là, je mettrai des photos, soit de famille ou les enfants, enfin, je verrai bien. Je vois. Donc voilà. Voilà la deuxième petit créa tuto qu'on vient de faire. Voilà. Hop. Donc ça fait 1. Ça fait 1 et là. 1 et 2. Voilà. Ça et ça. Voilà. Allez, on vous laisse. Tu viens dire au revoir. La patronne, elle arrive. On vous laisse, donc comme d'hab, hein, petit pouce bleu, abonnez-vous, petite cloche, ring ring, petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de nos créas. Et surtout n'hésitez pas, hein, dites-nous la vérité, hein, pour pas hésiter, hein, dites-nous si c'est bien ou pas beau, hein, ce que vous voulez. Hein, on va limiter les commentaires, bien sûr. Voilà, donc ça reste pas trop un peu pour que ça m'énerve encore, quoi. Donc voilà. Voilà. Bah, allez, on vous fait de gros bisous. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Et puis, voilà, bonne semaine pour ceux qui vont travailler, comme nous deux. Hein, voilà, on va travailler demain. Oui. Voilà. Et hop, on court. Ciao, mes amis.